Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je me réjouis aujourd'hui qu'on ait un ministère de l'économie, parce que ça nous permet au moins de pouvoir discuter en fond sur les questions économiques. En 2017, j'avais posé la question au ministre des Finances de l'époque de savoir quel est le modèle économique qu'on est en train d'appliquer au Sénégal. Est-ce que c'est par substitution aux importations? Est-ce que c'est par promotion des exportations? Est-ce que c'est un modèle mixte? Je n'avais pas eu de réponse et j'espère que j'en aurai avec vous. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous appliquons les mêmes méthodes avec les mêmes résultats. Plan quinquennaux, année 80, ajustement structurel. Première alternance, on a démarré avec l'impératif de réduction de la pauvreté. Deuxième alternance qui avait démarré avec un objectif de développement, avec la SNDS, pour revenir à un objectif beaucoup plus raisonnable d'émergence. Nous n'atteignons pas les objectifs parce qu'en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les goulots de notre économie? Je n'entends pas souvent parler ou suffisamment parler des goulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien, et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence, a fortiori le développement, en étant dans cette posture-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie. Et on est très inquiet quand on entend les appels. Comment pouvez-vous comprendre, dans un contexte où on parle de ZLECAF et d'autres instruments, que le président Macky Sall signe des APE et nous vante ces APE-là? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer l'accord, le même accord avec les États-Unis, considérant qu'elle ne l'est pas favorable? Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les quatre zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moustapha Niass, lors d'un séminaire de la CEDEAO aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que, mais c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moustapha Niass? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici, et de dire à M. Macron, qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris, et ça ne peut pas être. Nous n'avons rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration, par exemple. Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel? Mais les populations ne suivent que le même chemin que leurs ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national, si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, qu'on crée de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assets foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec des acquiescements pour que des gens se trouvent avec 94 milliards alors que Gorouni Yatouni. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par les États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc, Monsieur le Ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions, il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Ce courage, M. Macky Sall ne l'a pas. Il n'est courageux que pour taper sur des opposants et des activistes, mais il fait la courbette devant le jeune Macron et devant d'autres, et c'est ça notre problème. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Abegueye.
Je vous demande de laisser les collègues intervenir. C'est valable pour vous tous. C'est valable pour vous tous. Laissez les collègues intervenir. Laissez les collègues intervenir, s'il vous plaît. Ça ne dure que 5 minutes. Laissez-les intervenir.